Allez, bonsoir! Ah, bienvenue tout le monde! J'espère que vous avez été hypé par cette formidable musique. Ah, bien sûr, ça s'appelait Wanted. Ah, voilà, si vous n'aviez pas compris, interprété par Monkey D. Luffy, incroyable mais vrai. Il existe dans la vraie vie aussi, il chante des chansons, c'est une pop star en fait, Luffy. Voilà! En tout cas, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous n'êtes pas endormi devant la conférence PC. Si c'est le cas, bah, je suis désolé. Alors du coup, hier on était arrivé à l'épisode 4, donc la deuxième partie de Marineford, et ce soir on y va. Voilà, niveau recommandé 36, hein. Niveau recommandé 36, voilà. Bah, c'est devenu une habitude, hein, officiellement, dans ces streams. Voilà. Je suis très légèrement en sous-niveau. Mais très vaguement. Ça se voit pas trop. Mais du coup, voilà. Il faut réveiller les gens qui se sont endormis devant la conf PC. Il faut du sex appeal dans ce stream. Ah, du coup, on va chercher Bo Hancock. Voilà. Seulement 11 niveaux de retard. Je suis sûr que tout va bien se passer. La base. En plus, elle a aucune amélioration. Tout va bien. J'y crois à fond. J'y crois à fond. Ah, le patch a été long. Bah ouais, mais ça dure le temps d'une chanson. Donc, bah, quand la chanson elle dure 2 minutes, ça va. Quand elle en fait combien elle faisait, celle-là, 4 minutes et des brouettes, c'est un peu plus long, forcément. Comme dans la vie. Ah ouais, à 22h Ubisoft, mais personne ne peut louper ça. Ah, le retour de mon narrateur préféré. Ah ouais. 白河一部会との全面戦争が続いていた。白髭と共にエースだ艦を目指すルフィは、度重なる激戦で体力の限界に達していたが、イワン国の応急処置によって持ち直し、決死の覚悟で進み続ける。一方、処刑台の上には戦争の様子を一人見下ろすエースの姿があった。自分のために命がけで戦う親父、弟、そして多くの仲間。 Ah bah tu m'étonnes. Pourquoi? T'es pas hypé par Assassin's Creed 92 qui a eu 2 ans de pause et qui a exactement la même tronche que celui d'avant? Je comprends pas. Je comprends pas. Oh! Allez le Pyro Punch! On compte sur toi! Pourquoi il est à l'hôtel? Ah, qu'est-ce qu'il fout dans un hôtel MV? Ah, je suis complètement déboussolé. Ah, moi c'est pareil, j'ai aucun sens de l'orientation. Ah, maintenant il est redevenu indépendant. Il a aussi bossé pour une musique de jeu vidéo indé là. Qui était un peu nul, mais du coup le jeu il est sorti, donc j'imagine qu'il fait juste streamer, j'en sais rien. Ah, Shirohige, il a plus l'esprit shonen. Il est trop vieux pour ses conneries. Il a au moins 25 ans. La réception appelle donc Zerator, dit c'est ta chambre. Et là, le mec de la réception, elle lui dit la coke est en supplément. Le mec regardait le stream. Ah merde! Ouais, il y a du monde! Ah, il y a totalement du monde. Alors attends, il faut se préparer à la bataille. Il faut choisir les techniques à la base. C'était quoi déjà? Voilà, c'était ça et puis ça. Voilà. Ok. Allez, Hancock, montre-nous ton gros serpent. On y va. On perd pas les bonnes habitudes. On va dégager les commandes en direct. Allez!
elle pétrifie les gens et tout. Ah, trop cool. Par contre, elle fait toujours aucun DPS. Je crois que ça commence à se voir que je suis un petit peu en sous-level. Plus aucun perso y arrive. C'est pas bien. Et du coup, ils expliquent même pas pourquoi Boa, elle a changé de camp. Parce que je rappelle, là... Boa Hancock, pour l'instant, elle existait que dans des textes du narrateur. On l'a jamais vu en vrai. Son arc à elle, il est passé totalement à la trappe. Ah, oh, mon gars, voilà, boy. Ah, mais c'est plus Ivankov. Ça marche plus bien. Putain, mais comment je galère sur un round-up. Attends, c'est quoi son ultimate à elle? Ah ouais. Mais du coup, vu que l'autre, il est en train de se relever, il a rien eu. Non, non, mais attends. Ah, tout va bien. Si tu pouvais mourir, s'il te plaît. Allez, on fait un effort. Merci. Attends, on n'a pas le temps. Qu'est-ce qu'il faut faire, en fait? J'en sais rien. Dirige-toi vers les potences avec Ivankov. Ah, oh, on va y aller. On a un peu le temps. Je suis obligé de spammer les supers contre tout le monde. Hein. Sinon, ça passera jamais. Qu'est-ce qu'il y a? Danger de fuite, déjà? Mais calme ta joie. Non, 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 reste avec nous. Abruti. Putain, mais c'est que Doflamingo. C'est un lotière, le gars. T'excites pas? Bah, officiellement, on sait pas, là, pour l'instant, on en est dans le jeu. Il a juste dégagé l'équipage de Luffy un petit peu de partout. Et après, on sait pas. On sait pas ce qu'il fait, on sait pas qui il est, on sait pas pourquoi. Oh, ça va, oh, il est pas si dur à battre. Ah merde, j'ai oublié de lâcher l'ultime. Ah, je suis con. Ah, c'est pas grave. On voit pas ses combos, elle. Ouais. Montre tes combos, madame. Ah, je peux plus bouger là. Putain, je suis mid-bar. Non, non, il faut te calmer. Faut te calmer, mon gars. C'est pas bien. Ah, je parie qu'en plus il va réapparaître. Putain, je vais mourir. Je vais complètement mourir. On n'y voit plus rien. Elle meurt. Ah, merci Luffy. Mais ouais, mais... Ah, du coup, le seul moment qui m'a intéressé dans la conférence PC, c'est quand ils ont reparlé de Wargroove. Le plagiat d'Advance Wars qu'ils avaient annoncé sur Switch. C'est tout. Après le reste... Elle meurt. Ah, le nouveau DBZ, ouais, il a l'air trop bien. Ah, ça fait tellement longtemps que j'attends un jeu comme ça. Après, il y a deux choses dont j'ai peur. Autant la mise en scène et tout, ça, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est le oui est total. Par contre, j'ai très peur pour l'équilibrage entre les persos. Et que ce soit un petit peu raide du cul à manier. Que ce soit pas ultra souple. Alors que normalement, les persos de DBZ, ils sautent de partout. Ils font tout et n'importe quoi. Là, ça a l'air d'être quand même un jeu de combat traditionnel. Du coup, j'ai peur que manette en main, ce soit un peu trop raide. Je sais pas comment l'expliquer exactement, mais... Bah, le 3v3, ça peut être cool. Pareil. Après, de toute façon, t'auras différents modes de jeu. Hein. Avec des 1 contre 1, des 2 contre 2, des 3 contre 3, peut-être même des 4 contre 4, pourquoi pas. Ça, c'est pas les trucs compliqués à faire, hein, de toute façon. Mais ça peut être cool. Ah, regarde, même à l'époque de... c'était quoi? Dans les Soul Calibur, tu pouvais te faire des 6 contre 6. Alors à chaque fois qu'il y en avait un qui était KO, bah t'avais la transition avec un tableau des scores, entre guillemets.
c'était un peu nul. Là, du coup, sans, c'est en direct, quoi. Ça, la transition, elle se fait directement, donc c'est cool. Mais ouais, pour l'instant, ça... qu'est-ce qu'il y a? Fuite. Ah, tu fais chier. Arrêtez de fuir. Bande de lâches. Ah, bah ouais. Ah, évidemment. Il fallait Bo Hancock pour réveiller les gens de la conférence PC. C'était super important. Et bienvenue à toi. Ah, mais il y a Kobe. Ah, Kobe. Ah, du coup, comment il s'écrit cette fois? 2BY. Ouais, si, c'était comme ça qu'il avait écrit aussi. Ça va, ils ont pas inventé une troisième écriture pour le jeu. Ah, salut Anonymous. Bah oui, le mec qui parlait anglais. Bien sûr, je me rappelle. Comment oublier ça? Ah, welcome. Attends, j'envoie la max. Ah, je compte sur toi à 22h pour nous faire une traduction de la conf Ubisoft en direct. Non, mais casse-toi! Attends, j'ai pas le niveau, moi! Non, mais je sais pas, faudrait que je fasse un truc. Faudrait que j'aille chercher du pognon en dehors du stream. Meilleur manga au monde. Qui salue? Ah bah s'il a envie, pourquoi pas? C'est ses goûts après tout, il en fait ce qu'il veut. Y'a pas de souci. On a le droit d'aimer tous les shonen de l'univers. Pourquoi pas? Après tout, un avis, c'est toujours régi par ce qu'on connaît, est-ce qu'on connaît pas, et nos goûts. Donc à partir de là, tout est possible. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ah ouais, on est là! Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Par contre, je suis très curieux d'aller voir le point d'interrogation là-bas. J'ai très envie. Ah, oh, j'y vais, je m'en fous. Démerdez-vous. Ah, salut Jarl! Allez, on va voir ce que c'est là-bas. C'est pas grave. Et comme ça, on peut... Regardez Bo Hancock. Alors, je sais pas si c'est parce que... les gars, ils sont pour l'égalité des sexes. Ou si c'est juste qu'ils sont incapables d'animer un personnage correctement. Mais Bo Hancock, quand elle court, elle tord pas du cul. Incroyable! C'est rare dans les jeux vidéo. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Luffy est sur le point de battre en retraite! Mais pourquoi? J'arrive! Oh, il y a le grand-père qui se ramène! Ah ouais? Ah, bien sûr que j'aime les animés! Ah, 22h, t'es pas sûr d'être encore là? Ah, quel dommage! Ah, moi je serai là jusqu'à 23h en tout cas! Allez, invite! Ah, meurs pas! Il est où? Il est là. Ah, c'est bon, il va bien. Ah, oh! Ah, merci pour le don, MacLeo. Ah, bah, ça me fait plaisir. Merci bien. Ah, c'est en dédommagement parce que je vais pas pouvoir regarder le début de la conf Ubisoft, hein, c'est ça? T'es triste pour moi, en fait. J'en suis sûr que c'est ça. Ah, merci. Ah, tu me réconfortes un peu dans mon malheur. Ah, les mangas et animés préférés. Alors les mangas, moi j'en lis plus, parce que ça coûte trop cher à la longue. Par contre, en animé, j'en regarde plein. Et c'est compliqué d'en citer un seul. Alors en série très longue, c'est les Gintama. Ah, si t'aimes bien les mangas qui alternent énormément l'humour, et les combats sérieux de temps en temps, les arcs sérieux de temps en temps, un petit peu comme One Piece finalement, et en...
et qui s'adresse plutôt à des adultes qu'à des vieux enfants. Gintama, c'est parfait. Après, en série courte sérieuse, j'adore Steins Gate. En série sérieuse moyennement longue, j'adore Hunter x Hunter. Et en série comique courte, j'adore Lucky Star et Nichijou. Et après, il y en a tellement plein. Ah ouais, les Shingeki no Kyojin, les Kill la Kill, je sais pas, les Fate Stay Night et compagnie, les Zero, Unlimited Blade Work, je sais pas quoi. Je me rappelle pas tous les sous-titres, mais bref. Ah, il y en a tellement. Les, mince. Ah, j'ai oublié le nom. Avec Koro Sensei. Comment ça s'appelait? Assassination Classroom. Le truc de la cuisine, là aussi. Shokugeki no Soma. Ah, ça aussi, c'était bien. En tout cas, ça me fait plaisir, Makio. Oula. Ah non, pas les Dragon Ball. Ah, du coup, c'était bien à l'époque. Maintenant, ça a mal vieilli, quoi, le problème. À l'époque, ouais, c'était génial. Dragon Ball et Dragon Ball Z. Après, non, par contre. Après, non. Oh, le vieux qui se laisse battre volontairement. Ah, c'est beau. Ah, mais dans One Piece, de toute façon, t'as énormément de persos goldés. Par contre, après la pause des deux ans, là, c'est un peu tombé à plat. Mais alors, à toute la première partie du manga, ah, y'en a des persos goldés. Sakazuki, c'est qui celui-là? Je me rappelle même plus. C'est qui Sakazuki? Par contre, attention, si c'est des personnages du dernier arc en cours, il y a des gens qui n'ont pas encore forcément rattrapé le retard, donc on n'en parle pas. Ah, c'est par là-bas. Voilà. Tout ce qui est, on va dire, post-Doflamingo, on dit rien. Ah non, mais Mister One, meurs pas! Ah, je savais pas que t'étais encore là, mais... Ah, Kaginu, ok. Ah bah si, mais du coup c'est cool. Il est cool comme gars. C'est un bon méchant. Ah bah des bisous, Anonymous. Merci d'être venu. Qu'est-ce qui se passe encore? Hey Day, c'est Bala Marine. Attends, il y a encore Sentomaru. Attends, j'envoie Luffy. Allez! Hancock et Luffy. Ça, c'est un beau duo. Ah, du coup, j'ai même pas encore testé tous ces coups. Ah, ça marche même sur les femmes. Ah, trop bien. Ah, beau Hancock est universel, finalement. Ah, ouais. Ah, tout ça, c'est grâce à son serpent, évidemment. Alors, elle est où, l'autre? Elle est partie? Elle est partie. Elle est partie avec Anonymous, en fait. Il l'a pas dit, mais il l'a embarqué. Ah, j'ai bien compris. Perso que j'ai pas aimé, alors que tout le monde a aimé, c'est Ace. Bah, Ace, il fait sa vie, quoi. Ah, tu le vois trois fois dans le manga, même pas.
À part dans le flashback. Et sinon... Ace, tu le vois pas. Ah, Moria aussi, niveau perso nul, il est pas mal. Hein. Il est tellement... c'est tellement le lotier, ce gars. Ah, putain. Après, il y en a d'autres après, mais on n'en parle pas, du coup. On n'en parle pas encore. On en parlera plus tard. Ah, c'est bien, en étant Big Brother à l'époque. Ouais, moi je vais nommer Ice. Mais après, tu vois pas beaucoup, quoi, donc... c'est un peu le OSF, quoi. Et puis dans One Piece, du coup, t'es plus dégoûté parce que le frère à Luffy meurt, plutôt que parce que c'est Ace qui meurt, tu vois. Elle t'est pas dégoûté de la mort de Ace en elle-même. Elle t'est dégoûté parce que ça tue Luffy en même temps. Franchement, t'enlèves Luffy de l'équation de Marineford, bah Ace... finalement... ah voilà, quoi. Enfin, après, je sais pas. Peut-être que vous avez un avis différent. Ah, du coup, n'hésitez pas à le dire. Mais, en tout cas, pour moi, c'était ça. Ah, j'étais plus peiné pour Luffy que pour la mort du gars en lui-même. Le gars qui... ah, César. Mais du coup, on n'en parle pas trop, mais lui aussi, tu vois, niveau lotière... Oh, et puis, tout son arc, il est dégueulasse. Enfin, l'arc dans lequel il est présent. Il est dégueulasse, cet arc. Surtout dans l'animé. Dans l'animé, c'est ignoble. Puis ça, on en parlera le moment venu, mais... ah, qu'est-ce que c'était pas bien, du coup? Ah, nom de Dieu. Ouais, César. Mais ils vont bien ensemble, les deux, hein, finalement, Moria et César. C'est un peu la même base, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a, Ivankov? Qu'est-ce qu'il a, Ivankov? Pourquoi je peux pas aller là? Merde. Ah, faut faire le tour. Attends. Du coup, est-ce que tu crois que je peux prendre le temps de prendre la zone, ici? Ouais, on va prendre le temps de prendre la zone. De toute façon, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Allez! Ah, continue de nous montrer ta culotte en coq. C'est là que tu vois que, tu vois, dans le manga et dans l'anime, quand même, ils soient minimum chiés. Parce qu'avec les robes qu'elle a en coq, s'ils prennent pas le bon point de vue, le bon angle de caméra ou autre, ah ben direct, il y a le plan culotte. Et là, ils sont pas fait chier. Les gars, ils en ont rien à foutre. Après, le jeu, il doit être Peggy 12 ou Peggy 16, donc ça doit aller quand même. Bon, faut mourir, là. Pourquoi la zone, elle est encore là? Ah, ça y est. Faut y aller. Ok. Moria... Marco a commencé à combattre Moria. Ok. Ah, attends. Ah, si on allumait la lumière, non? Ou ça va encore? Je sais pas trop. Sur le retour, ça commence à être un peu sombre. Mais ah, bah ouais. Bah, elle est là pour ça. C'est censé être la femme la plus belle de l'univers de One Piece. À peu de choses près. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'elle est vendue, hein. Ouais, du coup, faut refaire tout le tour. Quoi? Marco est sur le point... Non, il est où, Marco? Ah, j'arrive. Meurs pas, Marco. Polo t'attend à la maison. Allez.
Elle se bat avec la robe fermée. Ah bah elle arriverait pas à écarter les jambes déjà, ce serait compliqué. Il faudrait qu'elle mette un pantalon, madame. Il faut l'expliquer. Ou un short, je sais pas. Boa en short. Ah ouais, ce serait pas mal aussi. Viens par là, toi. Ah non, mais il va recommencer à se téléporter de partout, ça va être chiant. Putain, mais je le cible là ou je le cible pas? Je sais pas trop. Je sais pas trop. Il touche plus le sol. Ah ouais, ok. Lui il est mort. Alors qui c'est qui va mal? Non mais il est mort là. Il est pas mort? Il est pas mort. Attends, il y a l'autre qui va mal. Je peux pas rester hein. Je peux pas rester. Faut que j'aille aider l'autre là. Faut pas qu'il meure. Non mais c'est moi qui suis complètement en sous-niveau et c'est tout le temps les autres qui sont en danger de mort. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh Ace! Crève pas! Crève pas Ace! C'est pas tout de suite. À toi, toi va... va-t'en. Ah Okiji! Ah mon gars! Pourquoi les persos ils font tous damage dans One Piece au bout d'un moment? C'est chiant! Du coup, vu que le jeu il, a, il prévoit des humains normales, après tu sais plus si s'ils sont lockés ou pas, vu que leur le lock il est affiché au-dessus de leur tête. C'est compliqué. Ah bah je sais pas, en tout cas l'arc actuel de l'anime, sans rien dire du tout. Au secours. Au secours. Après, je sais pas si, si c'est remonté dans le manga. J'espère. Ouais. Par contre, attention, attention au spoil. Ah là, dès qu'on parle de ce qui se passe, restez le plus évasif possible. C'est l'éveil de Bage. Quoi? Ah, je crois que ça va spoiler. Arrêtez tout de suite. Ah, salut Jichab. Ouais, pas de spoil, hein, s'il vous plaît. Ouais. Ah, du coup, faut taper qui, là? C'est pas des randoms qu'il faut taper. Attends. Ah, mais y a l'autre, là. Ah, Kaginou. Ah, salut copain. Oh, yo! Ah, pétrifie-toi! Tiens! Oh, moi aussi je sais faire. Ah, ouais. Ah, y'a Super MacLeo aujourd'hui. C'est cool. Ah, mais là, on a dit tu touches plus le sol maintenant, Kaginou. T'es foutu. Hancock, elle a le combo ultime. Attends, à moi aussi. Ah ouais. Ah, elle a une épée en plastique super aiguisée. Ah mais calme-toi, toi. Ah tiens. Faut qu'il s'y a encore. Alors, tout va bien. Allez, j'envoie la maxi. Ah, j'en profite pour allumer la lumière. Ah, Gomu Gomu no, manche à balai. Hop. Voilà. Ah, ça marche toujours bien, ça. Ah, moi aussi, je sais faire, tu vois. J'ai les bras extensibles. C'est presque la même technique. Ah, comme ça, il fait jour. Ah, ça va mieux. Ah, par contre, je vais mourir, là. Je vais mourir. Ah ouais? Ah, il y a. Évidemment qu'il y a des plans culottes avec Boa. Attends.
Ah, donne-moi ça. Mais non, ça c'est pour une super. Ils sont où les méchants? Là, il y a de la bouffe. Ah, super. Ah, ça va mieux. Ah bah laisse ça va, la base. Ah par contre j'arrive pas à faire encore la Gatling Gun avec le manche à balai. Mais je m'entraîne tous les jours. Ah salut Maya, ah, bienvenue. Elle meurt. Ah vite. Ah il faut qu'on finisse le jeu avant 22h. Je veux tout découvrir du nouvel Assassin's Creed. J'y crois à fond. À la conf PC qui a salé. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah, dis-moi. Ah, fais-moi rêver. Qu'est-ce qu'ils ont fait à la fin de la conf PC? Tu m'intéresses. Ah, j'en sais rien. C'est possiblement un balai Sama. Attends, ah, je te montre. Ah, c'est mon super manche à balai. Comme ça, j'ai pas besoin de me lever pour allumer la lumière. Ah ouais. Ah, technique moldave numéro 143, évidemment. C'est super important, tu vois. Ça permet de non seulement d'économiser tes forces, et de gagner du temps pour pas rompre ton animation en streaming. Ah bah ouais, ah complètement. わしは火を焼き尽くす。マグマじゃ。海賊王ゴールドロジャー。革命家ドラゴン。この二人の息子たちが義兄弟とは恐れ入ったわい。貴様らの血筋はすでに大罪だ。誰を取り逃そうが。貴様ら兄弟だけは絶対に逃さん。あ、メヤード。道をれ。 Ah, le troll. Non, mais il refaut une Square Enix, du coup. Comme ça, pour l'année prochaine, ils peuvent annoncer le vrai nouveau Age of Empire. Si le remake, il se vend. Ah, mon dieu! Ah, plat twist. Ah, j'ai tout gâché. Oh bah il va bien! Il a pas de trou dans le ventre! Tout va bien! Ah bah ouais, mais ça c'est la base de toute façon. Dans tous les jeux, enfin les adaptations d'anime ou de manga en jeu vidéo, c'est toujours censuré à l'infini, tu sais pas pourquoi. Enfin là en plus, comme ça leur permet d'économiser un modèle 3D à refaire, tu vois. Ah
お前の夢の果てを見れないことだ。だけど、お前なら。あ、c'est beau, Maya. あ、faut que j'aille voir ça du coup après. 昔、誓い合った通り、俺の人生には悔いはない。嘘だ。嘘つけ。嘘じゃねえ。俺が本当に欲しかったものは。あわ。Ah ça c'est un grand moment aussi. Par contre, c'est bizarre qu'il y ait aucun marine qui attaque là. Ils sont où? Ils sont où les marines? Hein? Quoi, je deviens rouge? Et pourquoi? Je n'ai plus de colonne vertébrale, mais tellement. Après, si je deviens rouge, c'est normal. Il fait un tout petit peu 40 degrés, là, entre la télé, le PC et le portable. J'ai beau avoir un ventilateur à mes pieds, nom de Dieu, qu'est-ce qui fait chaud. Ah bah oui. La base. Et tu vois, du coup, pour en revenir à la censure, c'est comme le sang, hein. T'as jamais de sang dans 90% des adaptations. T'as pas la moindre goutte. Hein. Et ça, ça c'est la faute au Peggy, Cero et compagnie. Et parce que les réglementations, elles sont beaucoup plus dures que pour les autres médias dans le jeu vidéo. Et ça aussi, faudrait le faire changer, c'est pas normal. Du coup, ça défigure complètement les œuvres. Autant dans One Piece, bon, bah, c'est pas grave. Autant il y a des mangas, quand les gens ils sont censés perdre des bras et compagnie, et qu'il n'y a pas de sang ni rien, et que t'as l'impression que les bonhommes ils vont bien. C'est compliqué quand même. Bah oui. Ah, du coup, est-ce que Nami elle a déjà vu en code d'ailleurs? Ça, c'est une bonne question. Elle a dû en entendre parler, moi. Après, je sais pas si elles se sont rencontrées. Oui. Non, mais ça encore, tu vois, tu peux dire, bon, bah, c'est un effet de style. Tu vois, tu sais pas trop. Mais bon. Le pire, c'est dans les adaptations, tu vois, le doute n'est pas permis du tout. Parce que dans l'œuvre originale, bah, t'as du sang de partout. C'est comme quand Zoro, l'autre jour, il est rentré dans la boule de douleur de Kuma. Dans l'animé, quand les autres ils le retrouvent, t'as 14 000 litres de sang autour de lui. Et là, dans le jeu, bah, t'avais rien. Et du coup, bah, la scène, elle est tombée complètement à plat. Tous les persos, ils étaient là. Ah mon dieu, Zoro! Puis t'avais Zoro au milieu avec les bras croisés en mode, non mais tout va bien, hein. Y'a pas de problème. Qu'est-ce qu'il y a? Ok. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Défends le point d'évasion jusqu'au bout. Ah d'accord. Attends, j'y vais. Les Brooke qui lui ont aperçu de l'angle. Ouais, c'est ça. Presque capturé, merde. J'arrive. Ah, pas game over maintenant. Ah, déconnez pas. Ah ouais. Attendez, je suis là. Ah, du coup, faut snober l'autre. Attends, c'est qui? Ah, c'est Kizaru en plus. Ah, nom de Dieu. Ah, tu me suis pas, hein? Ah, il me suit. Je vais ramener Kizaru dans la base. Tu le sens venir, la mauvaise idée? Putain, mais il y a des pacifistas et tout, là. Ah, cassez-vous. L'OST de One Piece? Ouais, elle est bien.
Le problème, c'est que ça fait 20 ans qu'on entend les mêmes musiques, quoi. Il serait temps de la changer. Après, l'OST du jeu, ouais, elle est pas mal aussi. Elle est sympa. Même si ça manque un petit peu de thème, il y a une bonne playlist quand même. Il n'y a pas de grosses fausses notes. Les plaies sont toujours totalisées. J'avais pas vu. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire là? Encore dépasser. Non, c'est moi. Faut casser madame? Non, 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 non! Mais meurs! Qu'est-ce que tu me fais? Pourquoi je peux pas la toucher, elle? Et hop! Ah, zéro KO! Ouais! Tu le sens là que j'ai pris le niveau? Ah, il y a deux flamingos aussi. Ah, ils sont tous là. Qu'est-ce qu'il y a encore? Allô, ouais, il est stylé, là. Et tout le monde est stylé dans One Piece. Ah, c'est ça qui est beau. Enfin, presque. Chanté par une personne. Ah, ouais. Ah, du coup, c'était... J'imagine que, que la chanson que j'avais mis, elle était aussi tirée dans de ce CD, peut-être. Quoi que non. Après, c'était des singles, je crois, que j'avais récupéré à l'époque. Parce qu'elle est vieille, hein, cette chanson que j'ai mise au début. Hein. Je crois que j'étais encore au lycée déjà, qu'elle était déjà sortie. Donc il y a plus de 10 ans. Hein. Bon, tu meurs, oui, ou bien? Attention au spoil. je purge. Ah mais attention au spoil hein les gars. Ah déconnez pas. Attends. Laisse-moi faire mes trucs. Voilà. Arrêtez de me taper. Bon qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ah non, ils vont bien. Attends, il y a quelqu'un. Ah il y a l'autre abruti. Ah mais je suis sur le point de mourir moi. Ah nom de Dieu. Ah, c'était tellement pas une bonne idée de m'approcher. Attends, attends, attends. Ah, du coup... Ah, elle va mourir. Hein. Non, faut que j'aille chercher de la vie. Ça, c'est un baril d'explosifs. Là, il y a de la vie. Dis-moi qu'il y a de la vie. Ouais. Encore? Attends, j'envoie la super là-bas. Oupsi. C'est quoi ça? Attaque? Ouais. Pourquoi pas? Allez, il faut s'occuper de l'autre abruti. Même Kizaru, il est goldé. Au sens propre et figuré en plus. Ah là, tu peux pas tester. Le pouvoir du héros de Jinbei est terminé. Ah bon? Putain, mais arrête de taper à côté, madame. Non, 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 non. Ah, oh, tu me tues pas. Hein. Déconne pas. Pourquoi j'arrête pas de reperdre ma jauge avec Jinbei? Ah, je m'en vais. Je me casse. Okay. On voit rien. On voit rien. Oh, il m'a fait la morsure du soleil de Krillin. Je suis sûr que c'était ça. Là. Donne-moi à bouffer. Ah, c'est bon. Ok. Base capturée. Ouais, c'est pas grave.
t'inquiète. Il y a des arcs qui passent bien en animé. Par contre, il y en a d'autres. Oh. Genre celui où César est présent. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Quelle horreur! Mais bon, après, ça vient autant de l'adaptation en animé que du scénario en lui-même. Ah, qu'est-ce que c'était nul! Ok. Bon, là, on est pas mal. Ah ouais, non, je suis forte! Quoique. Ah, on sait pas finalement. On sait pas. T'imagines le plot twist? En fait, Hancock, c'est un homme. Ouais, ouais. Ah, il a eu des bonnes longueurs aussi, cet arc. Oh nom de Dieu. Ah bah oui! Ah, je le dis depuis le début! Qu'est-ce qu'il faut faire? Coopère avec Barbe Blanche pour battre Teach! Ah bah allez, on va péter la gueule à Teach! On peut pas passer là. Faut passer au nord. Ah, de toute façon, en animé, ce sera dur de faire mieux que Water 7. Surtout avec la Toei qui s'en occupe. Déjà, tu vois, si confiait l'animé à quelqu'un d'autre que la Toei, ou si la Toei décidait de dépenser plus de pognon, on aurait des meilleurs épisodes. Ça, y a pas d'embrouille. Déjà, rien que là, on pourrait énormément gagner en qualité. Sinon, il pourrait carrément rebooter la série, avec un autre studio. Ils auraient de quoi faire niveau contenu. Et ça éviterait d'avoir le problème des... de l'anime qui rattrape le manga. Au moins, parce que... avec tout ce qu'il y a à faire. Après l'autre qui éblouit, le gars qui t'éteint l'écran. Ah, génial. Mais tu vois, sinon au pire, au lieu de faire un épisode égal à un chapitre, comme des demeurés, et de se retrouver avec des trucs où on se fait chier, ils auraient pu faire comme dans Naruto aussi, ils auraient pu foutre des hors-sujets. Tu vois, peu importe qu'ils soient bien ou pas, de toute façon les gamins ils regardent, ils en ont rien à foutre, et ils viennent juste voir Luffy. Ils voient Luffy, après que ce soit des trucs canoniques ou des trucs complètement cons à la Dora l'exploratrice, tout le monde s'en fout. Et comme ça, les gens comme nous, bah, on regarde pas leur sujet. Et les gens normaux, ah bah on peut se concentrer sur les arcs principaux. Et c'est cool. Y en a un qui joue avec l'interrupteur. Ah ouais. J'ai compris. Ah bah des bisous Kichigo, ah, j'avais pas vu que tu partais. Et bon appétit, amuse-toi bien. Garde des sushis pour Morgana. Voilà, ceux qui savent sauront, évidemment. Ah bah oui, ça c'est sûr. Y'a pas d'embrouille. Mais bon, moi Naruto, tu vois, tu peux ne pas regarder tous ces épisodes nuls. Alors que One Piece, bah... t'es quand même obligé de les regarder, même si c'est en avance rapide, quoi. Parce que au milieu, ils peuvent te sortir un élément important. T'as mais arrêté d'éteindre la lumière. Vous êtes pénible. Ah, grosse limite, hein. Dans un mur, c'est formidable.
C'était quoi cet orgasme de femme là? Qui a eu au moment où. Où j'ai balancé. Quoi? Ah, bonjour! Un cinématique! Grosse transition! Oh, il est tout noir! まだ生きてんのかよ。ロジャーの意志を継ぐ者たちがいるように、いずれエースの意志を継ぐ者も現れる。血縁を立てど、あいつらの炎が消えることはねえ。そしていつの日か、全てを背負って世界に挑む者が現れる。興味はねえが。 あの宝を見つけた時、世界はひっくり返るのさ。誰かが見つけ出す。その日は必ず来る。ワンピースは実在する。さらばだ、息子たち。 死んでやがる。たったまんま。白ひげ海賊団船長、大海賊エドワード・ニューゲート通称白ひげ、マリンフォード頂上決戦にて死亡。あ、スダロン見せてやるよ。 最高の勝！黒ひげが出てきたぞ！ Sans déconner, il était sous le drap. おめえらに俺の力ってもんを見せておこう。 闇の力、そしてあの構え、親父の能力、いやー、全てを無に返す闇の引力、全てを破壊する地震の力、俺こそが最強だ。 この世界の未来は決まった。そう、ここから先は俺の時代だ。 Ah, ça y est, on joue. Ah, bonjour. Ah, ces transitions. Ah nom de Dieu. Ah, je crois qu'il vaut mieux pas savoir. Faut envoyer un mail à Oda. Je suis sûr qu'il va te répondre. Ah, t'imagines si s'il prend un troisième pouvoir? Parce que du coup, là, il en matérialise un dans chaque main, tu vois. Le pouvoir des ténèbres dans une main, le pouvoir du séisme dans l'autre. Ah, qu'est-ce qui se passe s'il absorbe un troisième pouvoir? Où c'est qu'il se matérialise, ce pouvoir? On sait pas, hein. On sait. Il se passe des trucs pas très legit dans One Piece, hein, en fait. Sur sa béquille, oui, exactement, sur sa béquille, évidemment. Ou sur ses jambes, finalement. Parce qu'on sait pas s'il a une béquille ou des jambes. Ça. Ça marche aussi. C'est pas halal.
Qu'est-ce qu'il faut faire hein? Bah Teach. Mais je l'ai déjà tué, Teach. Ah, il faut le retuer. Ah merde. Ah donc je suis là pour rien en fait. Attends, voilà, je finis de le prendre maintenant que je suis là. Voilà. Allez, on va tuer Teach. Le troisième pouvoir, le fruit du Gomu Gomu. Voilà, pas forcément, hein. Imagine, il le contrôle pas. Ah, du coup, Enfin, je dis rien. Je dis rien, attention, on est quand même... Ah, peut-être qu'il y a encore des enfants debout. Mais Mais voilà, on sait pas. On sait pas. Autant ça fait un truc pas très legit pour les demoiselles. À théoriser. Non, 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 attends. Ah, du coup, j'envoie la Maxi. Allez, c'est bon. Envole-toi. 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 Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est presque ça. On sait pas trop. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est où? Attends, je te l'envoie. Oh, il fait un Rasengan. Jinbei, il fait le Rasengan. Ah merde. Attends, moi aussi je sais faire. Tiens, regarde. Ah, t'aimes bien les petits cœurs. Oh, ça sent le pâté. Faut que je m'éloigne. Mais j'étais pas dedans. Tu t'es trompé. Allez. Putain, il perd tellement pas de vie. Pourquoi elle tape toujours à côté, madame? Qu'est-ce qu'il fait? Ah, ça s'arrête pas. Attends, il fait tout noir. Mais du coup, il est pétrifié. Donc c'est bon. On sait pas trop, en fait. Je sais pas trop si ça le tape ou pas. J'y vois rien. Ah, gros combat. Gros, gros combat. Ah ouais. Ah bah ça. En même temps, ils ont pas beaucoup de syllabes, les Japs. En termes de prononciation. Ah, du coup, ils ont la langue qui est pas très musclée. Ah, donc c'est compliqué pour eux de parler étranger. Et vu que bah, les seiyuu et compagnie, bah, ils parlent pas anglais couramment. Ils le font juste de temps en temps. Bah... Mais... Qu'est-ce qui se passe? Un chevauchement de limite. On sait pas trop. Ah, du coup, la barre du boss a disparu. Le boss, il a plus de barre, ça y est. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah, la barre est revenue. Bon, par contre, faut mourir au bout d'un moment, monsieur. Ah ouais. Ah, je pense que t'es pas le seul. C'est comme un calamar, il envoie de l'eau. En fait, c'est le boss de fin de Splatoon 2, à Teach. Voilà. Ah, je vous ai spoilé. Ah, du coup, vous avez plus besoin d'acheter le jeu, maintenant. Non, non, laisse-moi tranquille. Ah, me tue pas maintenant. Me tue pas maintenant. Déconne pas. Non, saute! Fais un truc, putain. Attends, attends, attends! Faut que j'aille chercher de la vie, mon gars. Laisse-moi partir. Laisse-moi partir. Ah, pitié. Ah, me tue pas. Non, c'est bon. Attends. Je m'en vais. On peut pas partir. On peut pas partir. Merde. Ah, ça va tellement être serré.
Ah, faut pas le laisser redescendre. Laisse-le pas redescendre. Non ! Il est redescendu ! Ah putain. Qu'est-ce qu'il fait ? Non, 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 reste loin. Ah, je m'en fous. Tu te débrouilles. Putain. Je vais jamais y arriver. Hein. Je vais jamais y arriver. Il perd pas de vie. Il perd pas de vie. Y'a pas un autre gars chargé là ? Meurs ! Ah oh, pitié, meurs ! Non, 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 casse-toi, casse-toi, casse-toi. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Il va où ? Ah, nom de Dieu. Je joue mieux, mais je fais ce que je peux, mon gars. J'ai 11 niveaux de retard, hein, je te rappelle. Encore la boule qui me poursuit. Non ! Ah, faut tout refaire. Ah, me dis pas que ça recommence depuis le tout début. Ah putain, ça recommence depuis le tout début, tu paries combien? Ah, fais chier. Ah ouais, faut la Switch d'abord. Merde. Bon, bah on est reparti, hein. Qui c'est qu'on peut prendre? Marco, on l'a déjà pris. Barbe Blanche. Ah ouais, du coup, ça fait quoi si on prend Barbe Blanche? Crocodile, on s'en fout. On va essayer de prendre Barbe Blanche. Du coup, il va assister à son propre décès. Comment ça va se passer? Ah ouais, mais... Ah merde! À niveau 9! Niveau 9, le Barbe Blanche. Ah, j'y crois à fond. Ah ouais! Allez! Ah, on y va! Ah, je suis sûr que j'ai tout ce qu'il faut pour gagner. Du coup, ça fait quoi? Barbe Blanche. Comment ça se passe? Ah, il faut au moins qu'on arrive à la mort de Barbe Blanche. Comment ça se fait qu'on peut prendre Barbe Blanche? Ah putain, il peut rien faire. Ah bah oui, ah, on sait très bien qu'on va se refaire encore l'épisode d'après. Mais je... Ah, comme il est lent! Ah, nom de Dieu! Ah, c'est pas bien. On va peut-être pas rester longtemps avec lui. On fait aucun dégât. Ah, le... Je crois que le fun est mort en barre. Je viens de le suicider. Même la lu... Même l'ultra, elle fait aucun dégât. Ah, c'est tellement beau. Ah, oh merde, le random il met mid-bar direct en un seul combo. Non, ça va jamais passer. Ça va jamais passer. Mais attends. Du coup, ouais, on se barre de là. Ah, on peut sauvegarder quand même. Bah non. Oui, 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 t'inquiète. On va essayer avec Luffy, du coup. Voir ce que ça donne. Je vais voir. Ah non, je peux pas. J'ai pas de sous. Ok. Allez, go. Voilà. On est toujours très loin du niveau 36. Mais c'est pas grave. Au moins, Luffy, lui, il peut... il a plus de mobilité. Ça passera mieux.
Et puis c'est pareil, parce que Luffy il est censé être KO aussi au milieu du combat. Hop. Allez go! Ah, si j'étais intelligent, tu vois, j'irais faire une séance de farming pour gagner du level vite fait, mais... mais c'est mieux de bourrer comme un âne, en espérant que ça passe. Voilà. Ah là, ça passe mieux. Toi, casse-toi. Oh, regardez la différence! C'est tellement violent. Ah ouais, ouais. Ok, donc là il est mort. Ah, ça va aller plus vite. Ok. Jinbei a commencé à avancer, d'accord. Faut juste que j'aille à la potence là, techniquement. Je peux bourrer. Allez vite! C'est qui? Ah, c'est Doflamingo! Ah, on peut le taper! Il le mérite! Non! Accame ta joie! Arrête de te téléporter de partout, nom de Dieu! Arrête de bouger! Voilà. Ah, puis c'est mieux avec Luffy, au moins tu peux bourrer carré, ça passe à l'infini. Y'a pas de problème. Quoi qu'il y a. Ah, y'en a déjà un qui fuit là. Ah, c'est lâche. Ah merde. C'est pas grave. Ah, comme ça on peut l'achever avec la super. Et hop. Voilà. Un jambon. Ah, je prends. Ok. Donc du coup on va tout là-bas. Et tout va bien se passer. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Encore des gars qui fuient. Ah, y a que des lâches, hein. Allez, on va tous. Ah, du coup, tout le chat est mort en poule. Ah, merde. Ah, je crois que, après la conférence PC, là, ça a achevé tout le monde, hein, le fait que je perde juste à la fin. Mais non, mais tout va bien se passer, les gars. Je vous rassure, on va y arriver. On va se refaire tout ça vite. En même pas 20 minutes. Allez, en 20 minutes, on fait tout. J'y crois à fond. Voilà, lui, il est mort. Comment on passe? Ah, ouvrez! Ouvrez-moi! Par où on passe? On peut pas passer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Là-bas, il y a un pacifista. On va taper le pacifista, hein. On verra bien. Ah non, il est déjà mort. Ah, il y a d'autres pacifistas. D'accord.
Là c'est bon, on peut aller s'occuper de la... La femme, elle était où? Tout à l'ouest, hein, c'est ça? Comme ça, si on la tue, après, les pacifistas, ils viennent plus, techniquement. Commandant de marine, ouais, c'est pas grave. Base capturée, on s'en fout. Elle est là, hein. Ouais, elle est là. À toi, dégage. Oh, voilà! Ah, voilà, ça, c'est une ultra. T'en mets une? Ah, tu... L'autre, il la sent passer. Ah, y a pas d'embrouille. Allez, encore. Eh, tiens! Ok. Allez, vite. Oh, Ivankov! Faut faire le ménage. Allez, hop. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Crocodile, j'arrive. Non, non, non. J'arrive, mon gars. Mister One aussi. Qu'est-ce que vous faites? Non, ne mourrez pas. Bon abruti. Passe par là. Ah, c'est que des lotières, normalement, là. Pourquoi faut toujours les sauver? Putain, c'est un pacifista, mon gars. T'es crocodile. T'es crocodile. T'es l'homme sable. Ils peuvent pas te toucher. Comment tu fais pour perdre? Même s'ils sont deux. Pour être 15, ce serait pareil. Ah, Yacobi. Le retour. Ok. Allez, meurs. Encore un coup. Quoi encore? Marco, il est où? Attends, par là-bas. Ok. C'est quoi cette étoile d'ailleurs? Il est conquis là. On sait pas trop. Ah, il est là, Marco. Alors, c'est qui que t'as en face? Ah, c'est Kobe! T'abuses? C'est Kobe, mon gars! Allez, viens me battre avec moi! Allez, on met Kobe minable. Le marchand de sable avec Nounours. Tellement. Ah, il y a un duo à faire. Attends, on balance l'ultra ici. Ah, mais il est pas mort! Non, mais qu'est-ce que c'est? Kobe? Bah oui! Ah, tu vois, il est tellement nul que même le traducteur il sait pas comment ça s'écrit, Kobe. Donc, ceci explique cela en fait. Finalement, c'est pas vraiment la faute du traducteur. Allez, vas-y! On est là! Ah, ça! Ah, vous êtes trop écartés, les gars. Rapprochez-vous un peu. Ça y est là, en touche. Ah, c'est long. C'est long pour rien. Le profil de Kobe. Avancé dans le plot. Ouais. Oh. Ah, le seul intérêt de Kobe, c'est qu'il est là depuis le début, quoi. Sinon, après, il sert à rien.
Attends. Ah, t'imagines le combat de fin de One Piece, en fait, c'est Luffy versus Kobe. Ah merde! Ah, ce serait tellement nul! Ah, t'imagines? Tout le monde attend un combat. J'en sais rien, moi. Shanks versus Luffy. Et on se retrouve avec Luffy versus Kobe. Ah, ce serait tellement beau! Ah, ce serait tellement le troll ultime! Ah, ouais, ouais, ouais! Ah, ce serait beau! Ce serait beau. Putain. Ah, y aurait du monde qui serait salé. Allez, hop. Ok. Ah, mais on est enfermé, là. Non, faut passer là-bas. Attends. Ah non, c'est fermé aussi. Ah, par où on passe? Par contre, ma webcam, je sais pas, qu'est-ce que tu fais, webcam? T'en vas encore? Redescends. Ah voilà. On est mieux là. Bon. Alors. Qu'est-ce qu'on fait? Allô? Ah, ça y est, c'est ouvert? Ah, ça s'ouvre. Attends. Oh, j'envoie la max. Luffy versus Stitch. Ah, bah ouais, on sait pas. C'est possible. Mais bon, je sais pas. Je pense pas que... Ce sera le pré-last boss de fin, je pense, Stitch. Ce sera pas le true last boss, tu vois. Je pense pas. Qu'est-ce qui se passe? Ah, le retour des zombies. Ou si ça se trouve, Teach, ce sera juste un énième arc random, finalement. Il va peut-être même pas le garder pour la fin, Teach. On sait pas. Hein. Allez! À mourir! Ok. Ah, encore? Ah, j'arrive. Bah, il est où, Aokiji? Ah, il est là? Non? Ah, level up! Ouais! On a oublié. Allez, t'es temps. Bon, du coup, là, on est OK. Il y en a un qui va mourir, là-haut. Merde. Ah, vite. Ah, faut pas qu'il meure. C'est Ace, en plus. Bah ouais. Elle meurt pas, Ace! Non, c'est bon, il va bien. Ah, c'est juste... Pourquoi il clignote en rouge, alors? Je comprends toujours pas les symboles du jeu. faudra que je corrige ça un jour. Ouais, bah il était temps, hein. Il était temps. Ça allait pas durer non plus à l'infini. Okay. C'est tellement ça. Oh, y'a Moria! Oh merde. Attends, mon gars. Ah, j'envoie X du coup. On en profite pendant qu'il est là. Voilà.
Ah, il va pas faire long feu. Ah, c'est plus Hancock là, ça se voit. Ah merde. Mais non, mais personne te craint, mon gars. Ah oui. Ah, j'ai mis ça parce qu'il y en avait quand je faisais Mario Kart, ils arrêtaient pas d'écrire majuscule. Et du coup, ils disaient « Ah, mais Moubot, il abuse !» Parce que à chaque fois qu'ils écrivent trop en majuscule, bah, ça les Théo. C'est pour ça que j'avais mis ça. Ah, mais oui. Ah, il a complètement la forme d'un Punching Ball, hein. Non, ça, y a pas d'embrouille. Ok. Ah, du coup, c'est quoi tous les points d'interrogation? On sait pas trop, finalement. Mais est-ce qu'on a envie de savoir? Pas vraiment. On peut foncer directement en bas. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah bah y'a l'autre. Allez hop! Avec un peu de chance, la carte elle va être plus courte du coup. Ce serait tellement l'arnaque du coup. T'imagines, tu finis la carte à la prochaine cinématique? Allez, ah, c'est bon là, non? Il en faut encore? Ah, il y a Jinbei aussi qui se ramène. Ah, quand même. Ah, vite! Ah, Kai nous provoque, Ace, hein. Et tu vois, en même temps, Ace, s'il n'était pas complètement con, il serait monté dans son bateau et les pirates auraient remporté la guerre. Puis au lieu de ça, bah non. Ah, si on tue Akainu avant qu'il rencontre Ace, est-ce que Ace survit? c'est qu'ils expédient la fin un peu comme dans Naruto. Bah ouais, après ça c'est les aléas du jump. Si Oda il continue de faire de la merde trop longtemps, du coup le manga il va perdre en popularité. Et il va être maintenu pendant un petit moment parce que c'est One Piece. Mais au bout d'un moment on va lui montrer la porte à Oda. S'il continue à faire de la merde. Et que les gens ils en ont marre de cette merde aussi. Ça c'est autre chose. C'est la condition pour qu'il soit viré du jump. C'est que les gens ils arrêtent de le mettre en haut des classements, de préférence. Et qu'il soit tout le temps au milieu ou en bas. Allez, Aiso! En viens, viens, je suis à Kainu, Aiso! Allez, achève-le! Ah ouais, Zo, c'était cool! Bon alors, est-ce que c'est fini du coup? Ouais. Et alors?
Fin des hostilités. Ouais. À l'arnaque. Ah, trop cool. On a mindé le jeu. Ah, ouais. Ah bah oui, c'était ça. C'était complètement ça. Ah merde. Ah, trop bien. エースを救えなかったことで心に大きな傷を負い自暴自棄に陥っていた。何が海賊王だ。俺は弱い。何一つ守れねえ。ルフィ君。おいけ。一人で。Bah non. Teach, il existe pas. À Luffy, il est tombé KO, du coup, bah au revoir. Moi je dis triche, ou alors il faut continuer l'histoire. Bah oui, mais on continue l'histoire, évidemment. Oh merde! Oh, ils ont ressorti Miyamoto du placard! Non, mais fallait l'y laisser, hein! C'est pas bien! Oh nom de Dieu! Ah, du coup, je pense que je vais aller regarder la conférence Ubisoft. Il faut que j'aille voir ça. La petite toux sous le menton. Ah bah oui. Ah mais il est charismatique, Jinbei. De toute façon, il n'y a pas d'embrouille. Bah, j'aurais tellement aimé qu'il les rejoigne direct. Au lieu qu'il parte dans son coin. À bout le coup. Oh, c'est beau. Oh, Luffy, kun. Sassoku aete yokatta. Perino-san, nan de konna toko ni iru nda? Ore, ima kara Shabondi Shoto ni iku tsumori datta nda. Minna wa? Iya, mada atsumatte wa oran daro. Ore, nakama ni aite nda. Hontou ni sore de ii no ka? Ano shima de kimi tachi no mi ni nani ga okita? Kurikaesu tame ni mata atsumaru ki ka? Watashi kara hitotsu te'an ga aru. Noru ka soru ka wa mochiron kimi ga kimero. Mugiwara no Luffy ga ikiteita. Mata kaigun honbu ni norikondan datte? Ittai, nani ga mokuteki de konna koto wo? そうか、ルフィ。わかった、わかったぞ、ルフィ。
人の気も知らないで勝手なんだから。なるほど。ああ、そういう感じに。集合は3日後じゃなく2年後。立ち止まって力をつけるんだ。そしてまた必ず集結する。2年後にサボディ諸島へ。Ah, to be continued. Ah bah voilà. Ah, comment ça, D? Ah bah oui, c'est Monkey D. Luffy. Donc c'est totalement normal que j'ai des D. D'ailleurs, il faudrait tout le temps que j'essaye d'avoir D au classement. À la base. Bon. Ah bah du coup, on va s'arrêter là pour ce soir. Ah, comme ça, je vais pouvoir jeter un œil à la conférence Ubisoft. Ah, ça m'intéresse. À voir si les gens vont être salés et tout. Retrouver des forces égale prendre du volume. Mais évidemment, elle va s'implémenter de l'hélium dans son corps. Comme ça, en même temps, ça lui évitera de faire des régimes pour paraître plus mince. Sur la balance, évidemment. En tout cas, merci d'être passé ce soir. Exceptionnellement, on s'arrête plus tôt, mais voilà, c'est le 3. Il faut en profiter, c'est qu'une fois par an. Nous, on se retrouve demain à partir de 10h pour les vieux jeux, 15h pour du I Am Setsuna, et du coup 20h30 pour le nouvel arc de One Piece, après la pause de 2 ans. Voilà, du coup moi je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne nuit, et je vous dis à demain, et ciao.